Allô tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis dans le salon en solo, tu sais, je suis encore sur F1. Puis là, avec un carrière pilote, je suis chez AlphaTauri, et là on est en Belgique. Et là, on s'en va, j'ai déjà une écurie, mais on va en créer un autre. On est décidé. Mais tu vois, si regarde carrière. On a créé, hein? Une face de japonais. Vous connaissez une face comme canadien-américain, là. C'est une fille. Ça ressemble à Mick Schumacher. À Mick. Mais on parlera pas de face qui ressemble à Mick. Ça ressemble à Tatiana Calderon. Non, ça ressemble à Tatiana Calderon. Non. On va y aller. Ça ressemble à Kimi Raikkonen totalement, ça. Ouf! Ça ressemble à un acteur, même. Qui cote, c'est quoi son nom, mais bon. Je vais faire de l'autre. Certainement, la caméra piqué. Bon, attends. Pourquoi Kim Jong-un. Pourquoi il ressemble à. Non, il ressemble à Kim Jong-un. Désolé, là, mais. Le premier nom qui me vient en tête, c'est Kim Jong-un. Désolé pour lui, là, je suis pas raciste, mais le premier nom qui vient en tête à envoyer sa face, c'est lui. Voyez avec lui. Ça va être un baranier, non. Un belge, non. Un canadien ou un américain? Mais qu'est-ce que ce pays là? Un français? Non. Hong Kong, ok. Je vois qu'il y a un drapeau, ça. La Jamaïque. Ouais, c'est quoi ce pays là, right? La Malaisie. 14. Non, on va le mettre en canadien là. C'est un bon canadien. Son prénom, on va l'appeler. Comment on pourrait l'appeler? On pourrait l'appeler. Bon nom Québec, canadien, québécois là. Ouais, j'ai une idée. Gilles. Le nom. Un bon nom canadien, québécois là, qui fait pur laine là. J'allais chercher ce gars. Bon, j'ai trouvé là, son nom de famille. Mais c'est quoi ça, son prénom? Ah, oh, marqué Terre. Ok, non, c'est Gilles. Ok. T'as, y a-tu un Gilles ou un Tremblay là-dedans? Gillette. Ah, go, il est Gauthier. On pourrait changer son prénom pour Hugo, son nom de famille pour Hugo. Tu es un train marchand. Gilles.
tremblé, il a déjà tremblé là-dedans. Schumacher. Non, il a pas de tête tremblé. Dieu de la pluie, hey boy. Alright. François Gagnon. Hein, François Fébro. Julien Fébro, François Gagnon. Gauthier. Ouais. Si je peux pas. Okay. On va mettre. Gauthier. Son numéro. Attends, on va annuler le changement puis on va le reconstruire. Hein? J'avais pris lui, il me semble. Et là. Gilles. Ah, je viens. Gilles Gauthier. Goat. Alors, juste go. Ok. Là, yeah, Gauthier. Il est ici. On va y mettre le numéro. Confirmé. Salut patron, c'est Karl. Il est temps de construire cette écurie. Dans un premier temps, nous allons devoir déposer le nom de l'équipe et trouver des partenaires. Commence par choisir le nom de l'écurie. Quel nom qu'on pourrait y aller pour la première saison? Ok, c'est trop. Certains sponsors proposent une meilleure prime de signature, tandis que d'autres offrent des meilleurs revenus hebdomadaires. Plus on est performant, plus on gagnera en popularité et on grimpera les échelons. Ces gains nous permettront d'obtenir des meilleurs revenus de la part des sponsors. Avalanche F1 Team. Avalanche F1 Team. Cinq points. Notre châssis n'ira pas très loin, sans plus nos performances et notre fiabilité sont bonnes, mieux c'est. Mais fais attention à ne pas dépenser tout notre argent. Il faut voir chez Mercedes, 1.5 million. Voici une liste des pilotes intéressés pour rejoindre l'équipe. Oh, let's go. Consulte leur stat et choisis celui que tu penses être le meilleur, au moment qu'on puisse se le permettre financièrement. N'oublie pas que les contrats sont super. On peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote. Confirme ton choix si tu en es satisfait. Oh, c'est pour championnat ou quand il va vraiment avec Pacifico pour s'en foutre. On peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote. Confirme ton choix si tu en es satisfait. Ouais. Super, non, on peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste. Bienvenue dans la Avalanche F1 Team, guys. Notre sortie pour l'espace, ça va être Charles. Bizarre dire parce que... Okay. Pas grave. Notre motoriste, ça va être Mercedes et Mick Schumacher comme pilote coéquipier. À moins qu'on y va avec Honda, Renault. Non, on y va avec Mercedes. Sélectionne ou modifie ta livrée pour la saison. Nous pourrons rajouter des sponsors à la monoplace au fil des contrats. Modifier. Et surtout, ne t'inquiète pas, tu peux modifier ta livrée à n'importe quel moment au QG. Là, de la balance. Là. Mettons qu'on prenne le design. Là. Attends.
Ok, alright. Attends, il y a pouvé. Comme rouge, hein. L'avalanche, comme. L'avalanche, comme Bourgogne, me semble, hein. Ça, je suis en train de regarder ça, là. Plus ça, cette couleur-là, genre. Je regarde. Attends, je pourrais ces couleurs. Ouais, ça fait brun, man. On dirait que c'est brun. Oh, on dirait que c'est mieux. Ah, mais oh, il est. On dirait que c'est brun. On change le plat pour la mettre. Non, hein? Un peu plus beau avec le blanc. Ou. Toi en bleu, tu t'en viens là. Ah, ben, pour la première saison, là, ça pourrait être demain. Mais je vous dis tout ça, ça sera pas modèle parce que je sais pas comment faire. Hein? On prend celle-là. Un badge pour représenter l'équipe. Tu peux sélectionner un badge existant, le modifier ou bien. Un peu plus, c'est. Je me rappelle plus si j'avais un. Belle. Bon, ouais. On va voir, check it. On va regarder. Non, l'erreur avec lui, c'est lui qui ressemble plus à le E. Ouais, tellement. Ouais, le E, mon loup. On pourrait aller avec lui, puis que là, on le mette. En arrière-plan. Ouh, le bleu y est bon. Hein. Et pour finir, nous devons choisir les couleurs de l'écurie. Ces couleurs seront visibles au QG ainsi que sur les tenues des pilotes, des mécaniciens et des membres de l'équipe. Super, c'est tout pour l'instant. Et puis, gars. Là, les circuits, comment qu'on fait? On fait-tu les 22, 16 ou 10? Moi, j'irais pour une première saison, l'adaptation. Ouais, avec 10, mais ça. C'est. Comme si on se fait. Donc, on va aller avec une saison complète. C'est incomplet. Le taux de formation, moi je désactive ça parce que ça, je trouve que ça sert à rien. Hop. 25%. Puis l'IA, ça va jouer en division de circuit en qualification. Mais en course, ça va être à 95 en course. Flashback, je désactive. On est en
quand plutôt elle est sortie. Décontracté, il est plus facile de piloter sur la surface en plus, mais là, plus sûr. Ok, non. Alors, mais en complet, voiture de sécurité activée, virage des virages coupés, normal, départ de course manuel, surface et carcasse. Oui, je suis anti-patinant, l'assistance au freinage, même si je courais. On va le désactiver. On va le désactiver. Fascinage. Mets l'intermédiaire. Oui, j'utilise les trajectoires, mais on pourrait désactiver les trajectoires. Non. Faut que je me pratique sans les trajectoires, fait que ce sera pas en là. Maintenant, 2D, boîte de vitesse automatique. On va mettre oui, désactiver. Désactiver, vous voyez à quoi que je joue. Bon. L'entrevue, comme d'habitude. En direct, dans 5, 4, 3. Bonjour à tous, bienvenue au quartier général de la nouvelle écurie de Formule 1. Nous avons été invités en coulisses pour une plongée exclusive au cœur d'une écurie qui pourrait bien être la plus prometteuse qu'on ait vue depuis longtemps. Plusieurs écuries ont rejoint la Formule 1 ces 10 dernières années. Nous avons vu entre autres Manor, Catram, HRT et bien sûr Haas. Parmi elles, certaines ont connu de bons résultats, tandis que d'autres ont été rachetées ou ont même depuis complètement disparu. Mais ce qui démarque en particulier cette écurie des autres, c'est son propriétaire, qui fait également office de pilote. Ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois. Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill et Bruce McLaren ont tous piloté leur propre monoplace. Mais cette pratique était devenue de plus en plus rare dans l'ère moderne. Et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie, c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1, son pilote et propriétaire lui aussi. Peu importe l'issue de la saison, vous êtes déjà dans l'histoire. Une tâche colossale se présente à vous en tant que pilote et manager d'une écurie de Formula 1. Vous sentez-vous d'attaque ? Je vais pas vous mentir, mais il y avait du boulot. Bah, je n'aurais pas à relever ces défis si je croyais pas en l'équipe. Tu sais, c'est bien sûr, là. Parce que c'est sûr que si je croyais pas en l'équipe, c'est sûr que j'aurais pas fait ces défis-là. Je sais, ça a apporté des coûts, pis tout. Mais avec le sponsor qu'on a, pis le moteur qu'on a, Mercedes, on risque pas d'être fort la première année, mais 17-3. Moi je dis 17-3 ans, on est une force plateau. Il faut toujours deux pilotes pour former une écurie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré chez votre coéquipier? Pour l'avoir vu piloter en F2 l'an passé, puis gagner le championnat des pilotes en F2, on est allé avec Mick, premièrement, parce que c'est le fils de Michael, puis deuxièmement, on pouvait pas le laisser encore niaiser en F2. Fallait qu'il monte en F1 pour son potentiel, parce que oui, on croit qu'il y a un grand potentiel, puis oui, il y en a un. Puis, il est comme son père, comme que je le pense, il va être bon. Personne ne vise la dernière place au classement. Quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer? On va rester très respectable. C'est sûr qu'on voudrait bien devancer toutes les équipes, dont Mercedes, mais il faut pas qu'on soit trop optimiste. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on devrait finir devant Williams cette année. À quel genre de ressenti vous attendez-vous en piste avec la monoplace? Pour le début des tests hivernaux, on s'est concentré plus sur l'adhérence
Puis les sorties de virage, surtout pour les circuits comme Sakhi, pas Sakhi, plus Singapour, que des virages à n'en plus finir, des virages 90 degrés, puis tout. Plus à travers les lèvres. Les autres écuries ont maintenant plusieurs années d'expérience sur et hors circuit. Comment comptez-vous vous hisser à leur niveau? Je pense à signer avec le moteur McLaren Mercedes cette année. C'est sûr qu'avec en signant avec les autres, on savait qu'on allait avoir un bon moteur fiable et rapide. Il irait juste à développer le moteur de notre côté. Les dépassements font partie intégrante de ce sport. Votre monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité qui se présentera? Faut être endurant à F1. On effectue des tests, comme je disais, on a effectué beaucoup de tests en essais hivernaux, puis tout le tralala. Mais je pense qu'on va pouvoir dépasser avec le moteur, comme j'ai dit, dans la question précédente. Et pour finir, parmi vos nouveaux départements, lequel est votre plus grande source de fierté? Moi, j'irais le département de châssis à cause qui nous inspire vraiment l'inspiration de tout entier là, pour l'écurie. Désolé. Eh bien, c'est tout pour le moment. J'ai hâte de voir comment ces petits nouveaux vont s'en sortir pour leur premier Grand Prix. Et coupé. On présente la voiture à toute la forme d'avant. Au moins, pas si pire, mais pas ma meilleure. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture Bon. avant le début du prochain week-end. Guys, c'est ici que va s'arrêter la vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir les qualifications, juste la Q1, parce que je ne pense pas passer en Q2. Pour être bien franc, je pense pas passer en Q2 cette saison. Peut-être avoir des surprises de temps en temps, mais dans la prochaine vidéo, vous allez avoir la qualification numéro 1 et sûrement le début de course parce que je ne fumerai pas pendant 1 heure. Faut pas une vidéo pendant 1 heure parce que oui, je sais. Parce que je sais que c'est long. Donc, vous allez voir le début de course. Donc, merci d'avoir été là. Si vous avez regardé, mettez un pouce, j'aime,
si vous voulez, vous êtes obligé. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ou si vous n'êtes pas obligé. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Ciao, bye.